Il était respecté dans le monde entier et unanimement considéré comme le plus doué de sa génération. La nouvelle vague, c'était lui, Jean-Luc Godard. Son seul nom évoquait une certaine idée du cinéma. Alors, vous êtes content? Ah oui, très. Elle est formidable. Tu vas devenir une icône de la Révolution, vraiment. Je suis émerveillé par toi, Anne. L'avenir lui appartenait et je l'aimais. Personne ne l'aime, Sophia. Ah, ils l'ont dit que c'était l'œuvre d'un crétin réactionnaire. Et fais-toi pousser des couilles, Jean-Luc! T'inquiète pas, mon amour. Moi, je l'aime, ton film. Un cinéma mort, un cadavre, ça me dégoûte. Faut inventer quelque chose, mais je sais pas quoi. Faut inventer un vrai cinéma politique. Un cinéma sans scénario, sans acteur, sans théâtre et sans littérature. Sans spectateur aussi. Mais Godard est mort. Tu fais quoi? Un truc de militant. Mets de la colle sur les doigts pour masquer tes empreintes digitales. Oui. I'll never forget the moment we kissed. Tu veux pas venir te baigner? Ce qui t'intéresse, c'est vivre comme tu as vu faire au cinéma. Je me sens pas obligé pour vivre de faire comme tout le monde. Regarde, là, par exemple, j'ai envie de marcher en arrière. C'est impossible de s'engueuler avec toi. Tu changes toujours les règles. Et alors? T'es pas l'homme que j'ai épousé. C'est pas compliqué, faut choisir. C'est soit la politique, soit le cinéma. La révolution, elle doit d'abord commencer par toi-même. Magic. Si c'est une fille, on l'appellera Josette. Pourquoi? Je ne sais pas, j'ai toujours rêvé d'être le père de Josette.